Mec, retire ton casque. Mec, il faut qu'on parle de tes vidéos. Pff, non, sérieux, là, j'ai pas envie, on peut pas en parler à un autre moment. Non mais mec, sérieux, à un moment, il faudrait peut-être que tu tournes une vidéo. Pff, non mais c'est bon, casse pas les couilles, franchement, j'ai pas envie de faire de vidéo, là. Non mais mec, c'est plus possible, ça fait un mois que t'as pas sorti de vidéo. Faut que tu sortes des vidéos régulièrement, sinon tu vas jamais t'améliorer. Ouais, c'est bon, mais là, j'ai envie de faire autre chose et tout. Mais si, mec, il faut que tu t'améliores. Tes vidéos, là, c'est de la merde. Je suis désolé de te dire, mais Withers Up 1 et 2, c'est de la merde. Et en plus, il y a des commentaires qui le disent. Mais non, mais mec, mais de toute façon, les commentaires sont même pas constructifs. Si, mec, les commentaires, ils sont constructifs. C'est juste que t'as l'impression que t'es incroyable, que t'es le dieu du monde et que le monde, il t'en veut, ok? Alors, mec, arrête de penser que les autres ont tort et que toi, t'as raison. Je veux dire, c'est l'inverse. Les autres, ils ont raison, toi, t'as tort. Alors, améliore-toi, fais des vidéos. Et putain, mais je sais pas, mais concentre-toi quand tu fais une vidéo là, c'est de la merde ce que tu fais. Mec, sérieux, on peut pas faire une autre fois là, j'ai vraiment pas envie, je veux dire, j'ai envie de jouer, il y a de mes potes qui vont arriver. En plus, on avait prévu de se faire une petite partie de Internet, alors moi ce que je voulais en fait, c'est genre... En plus, faudrait peut-être lui dire un jour qu'on est pas réel. Ouais, faudrait. Pourquoi des fois dans mes rêves, le son est continu mais l'image elle se fige? Parce qu'il faut que tu changes la carte graphique de ton cerveau. Ça se tient. Tire la bobinette et la chevillette, cher rat. J'ai jamais vraiment compris ce que cette phrase voulait dire. Bon, je vois à peu près la signification de la phrase, mais je sais pas, je comprends pas. Je vais demander à Google. Mec, une fois je marchais dans la rue, et là j'ai croisé une fille qui m'a montré ses boobs. Et puis je t'ai réveillé. Oui. Tire la bobinette et la chevillette. Ça s'écrit comment, cher rat, en fait, parce que je sais pas comment ça s'écrit. Hier soir, drame, un vol privé en direction de Bangkok s'est écrasé dans le Pacifique. On déplore 15 morts, dont 7 français. Ça veut dire quoi, ça? S'il y a pas de français, on s'en fout. Plus de 8000 morts causées par une fuite de gaz au nord du Japon. Mais bon, il n'y avait pas trois salons, ça va les couilles. Maintenant, c'est parti pour la météo des putes. Donc, d'après Wikipédia, si j'ai bien tout compris, la bobinette et la chevillette, c'est deux trucs qui permettent de garder la porte fermée. Et chéra, c'est du verbe chouar, qui veut dire tomber. Donc, ça veut dire qu'en gros, le système tombe et que tu peux ouvrir. Ça va sûrement me servir à rien dans ma vie, rien dans la vôtre, mais grâce à moi, vous le savez. On est d'accord que la bouche et le cul sont reliés, hein, vu que tout ce que tu manges finit par un moment par ressortir. Donc, je dirais qu'il est biologiquement possible de respirer par le cul. Mais c'est dégueulasse! Non, c'est scientifique! Royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Avant de regarder les paroles sur internet, j'ai jamais compris si c'était m'a placé là pour toujours ou ma place est là pour toujours. Donc du coup, ça c'est les vraies paroles. Ça vous servira à rien dans votre vie, mais grâce à moi vous le savez. Un jour, Dieu dit « Tu ne tueras point !» Et du coup, les gens ont inventé la guerre sainte. Bravo! Bah, bravo, vous êtes tellement intelligent, bravo! Le mot dromadaire commence par un D, comme dans deux. Donc le dromadaire n'a qu'une seule bosse. Mais c'est complètement con. Oui, j'ai des moyens mnémotechniques de merde. Le réseau internet de mon père, il a pour nom Alf. Attends, comme l'extraterrestre qui bouffe des chats? Oui,